وبعد إخوة الإسلام، جند الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يقول ربنا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mes frères dans la foi, soldats de notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre Seigneur a dit dans le Coran al-Karim, l'aya que j'ai cité, que le jeûne de Ramadan a été prescrit sur vous obligatoire, comme ça a été obligatoire sur les communautés précédentes. Le jeûne est obligatoire sur vous, comme il a été obligatoire pour les communautés précédentes. En fait, la prière était obligatoire dans toutes les lois, dans toutes les shara'a'. Et le jeûne encore était obligatoire dans toutes les shara'a'a, dans toutes les lois. Mais nous avons été spécifiés par le jeûne du mois du Ramadan, qui est le 9e mois lunaire. Idan, as-salat min al-ibadat allati furidat fi kulli shara'a'a min Adam ila Sayyidina Muhammad. والأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام وشرائعهم مختلفة، يعني بعض الأحكام تختلف، ولكن الصلاة كانت مفروضة في كل الشرائع. الصيام كان مفروضا في كل الشرائع كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الذين من قبلكم، لكن خص الله الأمة المحمدية بصيام شهر رمضان، وهو الشهر التاسع في السنة العربية. في التقويم العربي هو الشهر التاسع، شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc ce mois béni, Jibril عليه السلام est descendu avec le Coran entier avant d'être révélé sur le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام à une maison qui se trouve au premier ciel qui s'appelait Baytul Izza, la maison de dignité. Par la suite, Sayyidina Muhammad a reçu le Coran Karim pendant 23 ans selon les causes et les événements. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن نجوما بحسب الأسباب، أسباب النزول والحوادث. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. نزلت هذه في امرأة صحابية، زوجها ظهر منها فأنزل الله قرآنا، لكن كل القرآن نزل به جبريل إلى بيت العزة قبل أن ينزل إلى سيدنا محمد. والقرآن عربي، والتوراة عبراني، والإنجيل سرياني، وكلام الله تعالى ليس عربيا ولا سريانيا. كلام الله أي صفة الله الأزلية لا تشبه صفات البشر. القرآن a été révélé en langue arabe, التوراة en langue hébreu, l'Injil en langue syriaque. Mais la parole qui est l'attribut de Dieu, comme tu dis la puissance, la volonté, la science, l'attribut de Dieu qui est la parole, n'est pas composé des lettres et des voix. Ce n'est pas une langue arabe ou autre, parce que les langues et les lettres et les voix sont créées. Et ce qui a été révélé sur le Sayyidina Muhammad, Jibril, qui l'a fait descendre du tableau préservé, c'est l'expression de la parole divine. هذا الصيام هذا الشهر الفضيل أقبل علينا بأيامه الفاضلة والخير في إقباله. هذا الشهر الفضيل رمضان الكريم أقبل علينا والمؤمن بشوق إلى إقباله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للقيام بصالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل، فإنه أرحم الراحمين. Bientôt, on est à quelques jours du mois de Ramadan. Et quel bien pour les musulmans dans les jours du Ramadan. Dans ce jour ou dans ce mois, les musulmans trouvent de la nostalgie pour la voir. Innahu ibadatun azima. C'est une grande adoration. C'est pour cela les musulmans, ils attendent impatiemment ce mois béni, puisque Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Man sama Ramadan imanan billah وطلبا للأجر والثواب واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. Alors Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a jeûné le mois de Ramadan par foi et pour chercher l'agrément de Dieu Azza wa Jal, Allah lui pardonne
les péchés qu'il a fait auparavant, les petits péchés qu'il a fait auparavant seront effacés. Alors quel bien. وأيضا جاء في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Et celui qui veille dans les nuits du Ramadan en faisant tarawih et la lecture du Coran et le dhikr wa du'a, Allah Ta'ala encore lui pardonne les péchés, les petits péchés qu'il a fait auparavant. Alors dans le jeûne de Ramadan, et il y a un grand bien. قال عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان, فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه, ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Alors dans le hadith juste, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit que tout acte pour le fils de Adam, c'est pour lui, parce que c'est des actes apparents, et chaque hasana pour l'être humain, pour les musulmans, sera multiplié de 10 fois jusqu'à 700. Et Allah Ta'ala encore fait multiplier pour certains plus que ça. Comme les compagnons qui ont embrassé l'islam en premier, Sayyidina Abu Bakr, le grand saint dans toutes les communautés, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, les meilleurs saints dans toutes les communautés depuis Adam jusqu'à la fin du monde. Abu Bakr al-Siddiq, Omar, Othman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, c'est les meilleurs saints dans toutes les communautés. Alors l'un de ces gens-là, Sayyidina Muhammad, a dit à Khalid ibn al-Walid, qui est un grand compagnon, Khalid ibn al-Walid, qui a embrassé l'islam avant la conquête de la Mecque. Il a dit à Khalid ibn al-Walid, si l'un de vous, c'est-à-dire les compagnons qui ont embrassé l'islam après, si l'un de vous a dépensé comme la montagne de Uhud au nord, fi sabilillah, dans le sentier de Dieu, il ne va pas atteindre la récompense d'un moud ou la moitié du blé ou du raisin de l'un comme Abu Bakr ou Abdurrahman ou Nouaouf ou Omar Khattab qui ont embrassé l'islam en premier lieu. Comme la montagne de Uhud ne va pas atteindre la moitié d'un moud, du blé ou de date ou d'orge ou de raisin sec, parce que ces gens-là ont de mérite. Alors, vous voyez, alors il y a des gens qui font un acte et Allah le multiplie des milliers des fois, de 10 fois à 700 et même pour certains plus que ça. قال الله عز وجل, Allah Ta'ala dit, إلا الصيام فإنه لي. الله أكبر, الله أكبر. Quelle adoration! Le jeûne de Ramadan, Allah l'a attribué à lui-même. Allah a dit, sauf le jeûne m'appartient. Mais toute chose appartient à Dieu, on est d'accord. Et toute chose est créée par Dieu, on est d'accord. Mais pourquoi il a dit, le jeûne m'appartient? Parce que le jeûne, c'est une adoration. Que l'être humain ou le musulman s'abstient de manger, de boire, des rapports intimes avec les femmes, depuis l'aube jusqu'au soir, il délaisse les plaisirs capitaux dans ce bas monde pour l'agrément de Dieu, et tu ne les trouves pas, ces actes, dans une autre adoration. إلا الصيام فإنه لي بدليل أنه قال بعد ذلك يضع طعام وشراب وشهوته من أجلي. Il délaisse sa nourriture, il délaisse à boire, il délaisse son désir envers les femmes pour l'agrément de Dieu. Alors, c'est une chose spécifique au jeûne que la personne, il s'abstient de manger, même s'il a faim, s'abstient de boire, même le café, même un peu d'eau. Et des fois, comme c'est lorsqu'il fait chaud, lorsque tu es fatigué, lorsque tu as beaucoup travaillé, tu as envie de boire de l'eau, mais quand même tu le délaisses pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si tu as envie d'avoir une relation avec ton épouse, tu la délaisses jusqu'au soir. Alors, ces choses capitaux dont les désirs qu'on délaisse durant le jeûne, on ne les trouve pas ailleurs dans les autres adorations. C'est pour cela Allah a dit إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي, sauf le jeûne m'appartient. Il y a un autre avis qui a dit إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي لِأَنَّ الصِّيَامَ حَقِيقَتُهُ نِيَّةٌ وَإِمْسَاكٌ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ. إِمْسَاكٌ عَنِ النِّيَّةُ لا يطلع على صدق صاحبها إلا الله لأنها أمر قلبي أمر باطني.
وأما ترك الطعام وترك الشراب وترك الجماع، هذه أمور قد يفعلها الإنسان خفية، قد يفعلها الإنسان خفية، يظن الناس أنه صائم وليس بصائم. فلما كانت هذه العبادة لا يطلع على حقيقتها وعلى صدق فاعلها ومن نواها إلا الله، أضاف الصيام إلى نفسه فقال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Lorsque on dit le jeûne, c'est quoi sa réalité? C'est une intention de jeûner et le fait de s'abstenir de ce qui annule le jeûne. Et on va expliquer qu'est-ce qui annule le jeûne. Alors, le fait d'avoir l'intention, c'est quelque chose dans le cœur. Et c'est Allah seul qui sait la sincérité de la personne qui a fait cette intention. Maintenant, le jeûne, c'est le fait de délaisser le fait de manger ou faire rentrer à l'intérieur une substance, qu'il soit nourriture ou autre, boisson ou autre. Et le fait de s'abstenir encore des rapports intimes. Et c'est des choses que la personne peut la faire en cachette. Et il sort aux gens. C'est pas un acte apparent comme la prière. C'est pas un acte apparent comme le hajj, al-tawaf, al-sa'i, al-wukuf, bi'arafat. C'est des actes qu'on les voit. Le jeûne, on le voit pas. C'est un délaissement. Et c'est possible que certains mangent ou ils boivent à l'intérieur et ils disent je jeûne. Et Allah Ta'ala sait la réalité de celui qui jeûne sincèrement. Et c'est pour cela Allah Ta'ala a dit que le jeûne m'appartient. C'est Allah qui sait la sincérité de chacun parmi nous. Est-ce qu'il est réellement en train de jeûner? ثم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نعم، لما أنت تمنع من الطعام والشراب لا يجوز أن تأكل وتشرب من الفجر إلى الغروب، ثم يباح لك عند الغروب الطعام والشراب، تجد لذة عند الإباحة لما تمنع ثم يقال لك الآن صار مباح، تجد لذة. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره. إلى دو جوا celui qui jeûne. L'une lorsqu'il rompt le jeûne. En fait, lorsque la personne, on lui a dit c'est interdit de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes toute la journée, depuis l'aube jusqu'au maghrib, et au temps de le maghrib on lui dit maintenant c'est permis, alors une fois que tu es privé et on t'a donné par la suite le plaisir de manger et de boire plus grand. وقيل في الحديث إن الله يحب أن يأكل عبده الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. Allah agrée que son esclave, lorsqu'il mange, il dit Alhamdulillah. Une fois que tu as mangé, il dit Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي أطعم وسقى وسوره وجعل له مخرجا. Alhamdulillah الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة هو رب الرزاق. فأن تأكل فتحمد شيء عظيم، ثم تشرب فتحمد. Après que tu bois, tu loues ton Seigneur. Tu dis ce que je viens de dire. Alhamdulillah الذي أطعم وسقى وسواه. Et une chose en plus, وشيء آخر. للصائم عند فطره دعوة لا ترد. Le jeûneur, au moment qu'il rompt son jeûne, il a une invocation exaucée. Tu rompes, tu prends quelques dates, comme c'est la sunna. S'il n'y a pas des dates, tu prends l'eau et par la suite, tu fais un dua. Et le dua du jeûneur est exaucé. وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عَنْدَ اللَّهِ مَنْ رِحِ الْمِسْكِ. L'haleine de la bouche, فَمُ الصَّائِمِ يَتَغَيَّرْ مِنْ تَرْكِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. Lorsque la personne délaisse le fait de manger et de boire à la fin de la journée, il y a l'haleine de la bouche. Selon le jugement de Dieu, c'est meilleur que l'odeur de musc. On sait bien qu'Allah Ta'ala qui a créé les odeurs, Allah Ta'ala sait les odeurs par sa science et on n'attribue pas à Allah Ta'ala l'odorat. Allah Ta'ala As-Sami' Al-Basir, Al-Mutakallim, Al-Murid, Al-Qadir. Allah Ta'ala a l'attribut de la puissance, de la volonté, de la science, de la vue, il voit sans organe, il entend sans oreille, il parle sans langue, sans lettre, sans voix, sa parole et ses attributs, ce n'est pas comme la nôtre. Les odeurs qu'Allah a créées, et c'est Allah qui a fait sortir pour vous les fleurs qui sont dans l'aspect quelque chose de très merveilleux et dans l'odeur c'est quelque chose de très étonnant,
Et ça sort de la terre que des fois il n'a pas une bonne odeur. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes ces odeurs, Allah ta'ala laissé par sa science. Et on n'attribue pas à Allah ta'ala l'odeur. La nasif Allah ta'ala bisham kama yaqul Ibn Taymiyyah. إذا وصفنا بالشم يجوز هذا المعتوه يصف الله بالجلوس يصف الله بالقعود يصف الله بالجسمية يصف الله بالساق والعضو والجارحة ويقول أيضا يجوز أن يشم ويمس هذا ماذا أبقى من الكفر بعد قوله تعالى ليس كمثله شيء جدي pour préciser les odeurs Allah تعالى laissé par sa science, parce qu'il y a un égaré, que vous le connaissez, c'est Ibn Taymiyyah, le gourou de l'Wahhabiyyin. Celui-là, il dit oui, mais si l'être humain sent, pourquoi Allah Ta'ala ne sent pas? Pourquoi Allah n'a pas l'odeur? Parce que c'est un attribut parmi les attributs des créatures. Et l'être humain, il mange, et l'être humain, il trouve le goût. Il est très bon, le chocolat suisse, là, Lindt. C'est très bon. Oui, mais on n'attribue pas à Allah Ta'ala le fait de manger et le goût, et on n'attribue pas à Allah Ta'ala l'odorat, et on n'attribue pas à Allah Ta'ala le corps, et on n'attribue pas à Allah Ta'ala le toucher, on n'attribue pas à Allah Ta'ala la barbe ou les corps ou les membres et les organes. Mais ces gens-là, ils attribuent tout ça à Dieu. Tout cela, ils les attribuent à Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils ont laissé du kufr une fois qu'ils ont contredit l'aïa? Laïsa kamithlihi shay. Il y a une chose importante dans le jeûne حاول عم حاول نعطي بعض الأحكام. أولا كيف يثبت الصيام برؤية الهلال ولا عبرة بالحساب. Tout d'abord, le jeûne c'est mercredi ou jeudi parce que mardi soir c'est après le 29 de Sha'ban l'observation. Si on voit le croissant, on dit le mercredi. Si on ne voit pas, on complète Sha'ban 30 jours. Mes chers, il y a des gens qui ont déjà annoncé, ça fait 3 ans en arrière. Ils ont dit le Ramadan c'est le jeudi. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وقال في حديث آخر إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا. Il a dit jeûner, commencer le jeûne par la vision, romper le jeûne par la vision du croissant. Et dans un autre hadith, il y avait à l'époque là les astronomes qui font le calcul tout ça. Il a dit non. النبي عليه الصلاة والسلام on s'appuie pas sur le calcul. Le mois est 29 ou 30. هكذا وهكذا. Une fois 29, une fois 30. Si on ne voit pas le croissant le mercredi, alors on va jeûner. Si on ne voit pas la nuit de mercredi, alors le mercredi sera 30 Sha'ban et on n'a pas le droit de jeûner par précaution. Et par la suite, le jeûne commence le jeudi. Vous auriez les calendriers aujourd'hui à la Msakiya. On a mis peut-être le jeudi, mais ça c'est pour le calcul provisoire, parce qu'on vous donne à l'avance. Mais ça n'a pas de jugement. Il faut nous téléphoner et suivre ce qui est dit au sujet de l'observation. Radiyallahu an imam Abi Hanifa قال إذا ثبت الصيام في بلد من بلاد الإسلام وجب على سائر البلاد الصوم وهذا الذي نعمل به. Alors l'imam Abu Hanifa radiyallahu anhu a dit si le jeûne a été confirmé dans un pays parmi les pays musulmans, on a vu le croissant, tous les autres pays jeûnent et c'est ce qu'on prend en considération. Sinon les autres imams Malik et Ahmad et Shafi disent il faut qu'on voit dans nos pays ou les pays proches. Alors on a bien compris pour le jeûne comment on commence. An-niyyatu ita'uha layla. L'intention c'est un pilier. L'intention de jeûner, c'est un pilier. Alors, chaque nuit, tu dis, je fais l'intention de jeûner le demain du Ramadan pour cette année. Je fais l'intention de jeûner demain du Ramadan. Ça suffit. Je jeûne demain du Ramadan. C'est l'intention par le cœur. On peut prononcer, mais ce qui compte, ce qui est dans le cœur, parce que c'est un acte du cœur. عند الإمام أبي حنيفة يمكن أن ينوي إلى الظهر شرط أن لا يأكل شيئا قبل الظهر. Alors chez Abu Hanifa, pour le jeûne obligatoire, pour le jeûne du Ramadan, il peut
il peut faire l'intention jusqu'à Dhuhr, parce que si quelqu'un il a dit j'ai oublié de jeûner, et selon la majorité des savants, entre le Maghrib et le Fajr, il faut faire l'intention. S'il dit j'ai oublié de jeûner, alors qu'il fasse l'intention durant 9h et 10h, et il s'abstient de manger de toute façon. Abu Hanifa dit c'est valable, les autres ils ont dit il faut qu'il s'abstienne de manger et rattrape. Merci. قال الإمام مالك رضي الله عنه يصح أن ننوي عن الشهر كله. Il a dit l'imam Malik, on peut faire l'intention de jeûner tout le mois. Dès que c'est confirmé que demain c'est Ramadan, je dis نويت أن أصوم 30 يوم عن شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. Dès que c'est confirmé, supposons le mercredi c'est 30 Sha'ban. Alors le après le Maghrib le mercredi, c'est sûr que le jeudi c'est le Ramadan, parce que le mois arabe, il ne va pas être 31, c'est soit 29, soit 30. Alors une fois qu'on dit, voilà, on est dans la nuit maintenant, demain c'est le jeudi, et on dit, je fais l'intention de jeûner 30 jours du Ramadan de cette année pour l'agrément de Dieu. Pour l'agrément de Dieu, pour chercher la récompense, ça c'est recommandé de le formuler dans le cœur, et ça suffit pour tout le mois. Et c'est bien de répéter chaque nuit, parce que l'imam Shafi'i a dit, chaque jour est une adoration séparée, comme la prière, à chaque fois qu'il fait l'intention. Et on a 30 jours, chaque jour est une ibada séparée. Alors il faut faire l'intention pour chaque jour. La divergence entre ces imams est une clémence. هذا الاختلاف بين هؤلاء المرحمة الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك وكان معظما له وتلميذ صاحب أبو حنيفة محمد بن الحسن الشيباني وكان معظما له أما أحمد والشافعي فلا تسأل عن حبهما فيما بينهما. Alors la divergence entre ces imams c'est une clémence. Imam Shafi a pris Muwatta chez l'imam Malik, il glorifiait l'imam Malik et l'imam Malik a vu en lui une lumière exceptionnelle. Et l'imam Shafi a pris chez les compagnons de Abu Hanifa, Muhammad ibn Hassan, et il le glorifiait. L'imam Shafi glorifiait Abu Hanifa et Muhammad ibn Hassan. Maintenant, entre Shafi et l'imam Ahmad, alors quelle relation, quel amour, quel respect entre ces deux imams. Et ces quatre imams avaient la croyance qu'on enseigne ici dans la mosquée de Lausanne. On enseigne le tawhid ma tanzih. Et je vous ai dit, qu'il y a certaines qui mettent des fois dans la bibliothèque parce qu'on a les grands imams là-bas et ils veulent nous ramener Ibn Abdul Wahhab, Ibn Taymiyyah, Al-Uthaymin, Al-Jibrin, Al-Albani, Isabat Al-Harami, Al-Mussous, Al-Mujassima, Al-Mushabbiha. Il y a des gens qui essayent de mettre un livre là pour Ibn Abdul Wahhab, un livre pour Al-Albani, Al-Uthaymin, Al-Jibrin, c'est-à-dire ceux qui attribuent à Dieu le corps. Je vous montre, Inch'Allah, dans les vendredis prochains, ces livres. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Comme il a fait le grand imam Abu al-Qasim al-Bakri, que lorsqu'il est rentré à Bagdad, c'est un grand imam, je parle de 7-8 siècles en arrière, un grand imam, il est rentré à Bagdad, il y avait un peu de Ahlul Tassim wa Tashbih, il y avait des Mujassim. Alors ils ont été dans la maison de quelqu'un qui s'appelait Abu Ya'la, ils ont pris un livre qui s'appelait Sifat. Et ce grand imam, il récitait aux gens, regardez qu'est-ce qu'ils disent al-Mujassim, regardez qu'est-ce qu'ils attribuent à Allah Ta'ala. Je vous montre. Cet imam-là, l'imam al-Bakri, هذا, كان يقول, والله ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا والله ما كفر أحمد بن حنبل ولكن أتباعه كفروا لأنهم وصفوا الله بالجسم والأعضاء والجوارح. Ce grand imam, lorsqu'il était mort, on l'a enterré à Bagdad à côté de l'imam al-Ash'ari. Et il disait, Suleyman n'a pas mécru, c'est les diables qui ont mécru, parce qu'ils ont caché la sorcellerie sous le trône, les diables. Alors, et Allah Ta'ala a dit, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. C'est pas Suleyman qui a mécru, c'est les diables. Et cet imam, il dit, je jure par Allah, l'imam Ahmed n'a pas mécru. Mais ceux qui s'attribuent mensongèrement à l'imam Ahmed, c'est des gens qui ont mécru lorsqu'ils ont attribué à Allah Ta'ala le corps, les membres, les organes. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ فَيَفَوْزُ الْمُسْتَغْفِرِينَ مَسْتَغْفِرِينَ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفاء وعلى من بآثارهم مقتدى واقتفى. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله،
فاتقوا الله في السر والعلن. craignez votre seigneur lorsque vous seriez seul ou en public. واذا خلوت يوما فلا تقل خلوت بل قل علي رقيب وعتيد والله تعالى خير الشاهدين لا تخفى عليه خافية. Le jour où tu es seul, ne dis pas je suis seul, parce qu'il y a l'ange Raqib et Atid. Et Allah Ta'ala est témoin de tout ce qu'on fait. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Et Allah suffit comme témoin. Quand on craint Allah Subhanahu wa Ta'ala lorsqu'on est en public, et qu'on craint Dieu lorsqu'on est seul. Et lorsqu'on est seul, c'est là où on fait des longues prières. C'est là où on fait du'a, des longues du'a. C'est là où on pleure par la crainte de Dieu. C'est là où on cherche à demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec recueillement et soumission et crainte qu'il nous préserve du châtiment de la tombe et du jour du jugement. Ikhwani, قبل قدوم رمضان, ابحثوا عن العلم لأحكام الصيام وأحكام الصلاة وأذكركم أن الصلاة أهم من الصيام. Avant que le Ramadan arrive, mes frères, cherchez à apprendre les piliers du jeûne. Je viens de dire l'intention. Après, je vais dire s'abstenir de toutes choses qui annulent le jeûne. Al-imsak an al-mufattirat, an idkhal aynin ila jawfi min ta'am wa sharab, wa muqarabat an-nisaa' an al-jima', wa an al-istimna' wa an al-istiqa'. Bref, il y a des choses, c'est bien qu'on les parle tranquillement en détail. C'est pour cela le Asr, après l'Asr, soit le jeudi ou le mercredi, on va commencer par les lois du jeûne. Qu'est-ce qu'on doit faire, les conditions, les piliers, qu'est-ce qui annule le jeûne. À la manière de Siyam, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui qui n'est pas en voyage, qui n'est pas malade, qu'il jeûne. Le vieux qui n'arrive pas à jeûner, il est tellement vieux, il ne supporte pas le jeûne. Il ne jeûne pas, mais il fait l'aumône. Un moût de blé. Et selon Abu Hanifa, on peut donner l'équivalent. Mais c'est Abu Hanifa, c'est plus qu'un moût. On donne plus qu'un moût à la place de jeûner. Si celui qui veut donner de l'argent, alors, selon Abu Hanifa, on peut le faire. Aou, ma yakoun, miqdar sa' min sha'ir. La moitié d'un soir du blé ou les deux repas pour manger et dîner, les deux repas, l'équivalent, on peut donner de l'argent selon l'imam Abi Hanifa. Il y a en fait certains détails, je vous invite à être bien sérieux et prendre les choses en soin pour savoir comment jeûner, comment rompre le jeûne et à quel moment. Et la prière à un degré beaucoup plus élevé que le jeûne. Alors, ne soyez pas parmi ceux qui jeûnent et qui ne prient pas, mais plutôt soyez parmi ceux qui prient et qui jeûnent et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui délaisse le haram pendant le jeûne, surtout la médisance et la zizanie. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق اللهم يا ربنا بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاغفر اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم ارحمنا واقبلنا وإلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان الكامل جمعا توفنا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعينا من خشيتك دامعة يا أرحم الراحمين اللهم احشرنا تحت لواء النبي محمد الأمين وأخرجنا من هذه الدنيا مؤمنين آمنين مطمئنين فرحين مستبشرين
وارحمنا برحمتك الواسعة، ولا تكلنا إلى أعمالنا الضعيفة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.